Voilà, apôtre. Le plus grand chef-d'œuvre de l'Empire à l'est de Sadir. Un monument dédié à notre grandeur et notre foi. Même à Sadir, il n'y a rien de tel. Pourquoi est-ce si grand? Tu t'adresses à la mauvaise personne. Je ne me pose pas de questions sur la sagesse des Six. J'ai une foi aveugle en leurs décisions. Cela va de soi, comme nous tous. Entre, apôtre. L'émissaire t'attend. Apôtre Alvan, bienvenue à Marcuria. Venez, s'il vous plaît. Nous sommes honorés de votre visite. J'espère que vous avez fait bon voyage. Excellent, maîtresse. C'est un édifice impressionnant. La construction est quasiment terminée. Nous pourrons bientôt célébrer l'inauguration d'un siège Azadi permanent dans les terres du Nord. Les Six vont faire le voyage depuis Sadir pour assister à ce grand événement. Mais je vous ennuie, vous êtes déjà au courant. Alors, apôtre, j'ai cru comprendre que vous aviez été envoyé ici pour apporter la parole de la déesse au scorpion. C'est ça. Il est responsable de la mort de nombreux bien-nés ici, dans le Nord. En effet. Et j'imagine que les Six ne nous croient plus capables de le trouver et de le tuer nous-mêmes. Je suis là pour vous assister, maîtresse. Je ne veux pas remettre en cause l'autorité et les compétences de vos commandants. Je vois. Bien. Nous devrions nous estimer heureux qu'un apôtre nous prête son épée pour accomplir cette tâche. Ces terroristes sont de plus en plus gênants. Ils constituent une entrave au progrès technologique et à l'élévation spirituelle. Ils ne font que nuire aux gens qu'ils disent protéger. Après tout, nous voulons juste que ces païens soient touchés par la lumière purificatrice de la déesse et qu'ils trouvent le chemin du paradis. Ces mécréants, eux, rendent la vie de tous ces gens misérables. Ils veulent la liberté et la démocratie, mais ce qu'on leur offre vaut tellement plus que ça. Sans nous, ils n'auraient même pas de ville. Nous leur avons offert la paix, la prospérité et le progrès. Que veulent-ils de plus? C'est juste, maîtresse. Alors, par où souhaitez-vous commencer? Si vous voulez, mes hommes peuvent vous prêter main forte. Merci, émissaire. J'aurai besoin de quelques hommes, mais pas tout de suite. Je dois d'abord explorer quelques pistes. Faites ce que vous avez à faire pour éteindre le feu avant qu'il ne se propage. La construction de la tour ne peut plus être retardée. Nous devons respecter le calendrier, sans quoi nous nous exposons à de graves conséquences. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le scorpion soit jugé, maîtresse. Bien. Vous pouvez disposer, apôtre. Nous nous reverrons bientôt. Commandant Vamon. Apôtre Alvan, qu'est-ce qui vous a fait quitter votre sanctuaire? Une mission. Une mission, je vois. Ce doit être une sacrée mission pour que le Conseil vous fasse venir de Sadir. Après tout, ce n'est pas comme si je n'avais pas suffisamment d'officiers et d'agents compétents ici à Marcuria. Alors, qui devait vous tuer cette fois? Quelqu'un que je connais? J'ai bien peur que l'objectif de ma mission ne doive rester entre moi et l'émissaire, commandant. Ne me provoquez pas, Alvan. L'émissaire me fait entièrement confiance. Nous ne sommes plus à Sadir. Les choses sont différentes ici. Commandant. Pardonnez-moi, maîtresse. Suis-je allé trop loin? L'apôtre est ici à la demande des Six. Nous devons le traiter avec respect. Bien sûr. Et il est le bienvenu dans notre petit bastion de l'Empire. Il allait partir. Merci, apôtre. Que les lumières divines illuminent votre chemin. Merci, émissaire. Commandant. Apôtre. Maîtresse, vous m'avez fait demander? Que pensez-vous de ce Alvan? Vous avez servi ensemble dans l'armée à Sadir, n'est-ce pas? Oui, maîtresse. Alvan est un épéiste remarquable, ainsi qu'un loyal serviteur des Six. Épargnez-moi vos longs discours, commandant.
Nous sommes entre nous. Je ne lui fais pas confiance. Il est monté en grade beaucoup trop vite. Il doit avoir des relations. Vous pensez que ça peut venir du Cercle des Six ? Je crois. Ses talents d'épéiste sont plus que satisfaisants. Mais jamais un homme de son rang n'avait siégé à la cour. Oui. Et il est jeune, non ? Trop jeune. Et il n'est pas issu d'une grande famille. Ah, je comprends mieux pourquoi vous le détestez tant. Pardonnez-moi, maîtresse, mais son lignage n'est pas la seule chose dont je me méfie. Il a d'étranges amis et son habileté m'exaspère. Pourquoi ce soudain intérêt pour l'apôtre Alvan ? Les Six l'ont envoyé ici sans me consulter. Ça me préoccupe. Je me demande ce que cela signifie. Et puis, l'apôtre semble faible. Il n'a jamais été aussi loin de chez lui. S'il commençait à avoir pitié de ses païens... Je comprends. Que suggérez-vous ? Je veux que vous le suiviez. Assurez-vous qu'il reste concentré sur sa mission. À vos ordres, maîtresse. Ce sera tout, commandant. Vous pouvez disposer. Merci, maîtresse. Je ne quitterai pas l'apôtre des yeux, je peux vous l'assurer.